Pour parler du vent, il n'y a pas de meilleur endroit que le Belém. Le vent conditionne la vie, il est planétaire. Il agit sur le climat en desséchant des régions entières comme le Sahara. Il fait tourner les ailes des moulins. Il disperse sur des milliers de kilomètres plantes et petits animaux comme la veuve noire. Il engendre d'étranges forêts sur l'île de la Réunion. Il fabrique les nuages et il fait pleuvoir. C'est pour aborder toutes ces questions et beaucoup d'autres que je suis sur le Belém en compagnie de Sandrine et de Pauline. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le vent? C'est de l'air, non? Oui, le vent, c'est de l'air. C'est de l'air qui bouge dans l'atmosphère. Alors, j'ai une pomme. Ça va être l'occasion de parler de la Terre et de son fonctionnement vis-à-vis des vents. Donc, c'est la Terre. L'équateur partage la Terre en deux. Les rayons du soleil tapent franc vers l'équateur. Ils réchauffent l'air à cet endroit-là. Au pôle, ils tapent en oblique. Ils réchauffent à peine les pôles. C'est cette différence, en fait, entre le très chaud de l'équateur et le très froid des pôles qui, évidemment, génère les vents qui sont sur la planète. Finalement, c'est qu'une histoire d'air chaud et d'air froid, le vent. Effectivement, et le moteur des vents se trouve dans l'atmosphère et c'est de l'air de température différente. Il y a de l'air chaud et de l'air froid. L'air chaud de l'équateur va monter, va rejoindre les pôles. L'air froid des pôles va descendre vers l'équateur. Et c'est ce mouvement-là qui crée les vents. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui complique, c'est que la Terre tourne un petit peu. Ce qui fait que dans son mouvement, elle va agir sur la direction des fluides. C'est ce qui fait que les vents qui vont partir du pôle Nord auront tendance à filer sur la droite et ceux qui viennent du pôle Sud auront tendance à filer sur la gauche. Voilà la base et l'origine de quasiment tous les vents de la planète. Alors Pauline, ça n'a pas l'air d'aller, hein. Peut-être pas dans ton assiette. Hein. Ouais, je crois que j'ai un peu mal de mer. Imaginez que là, nous ayons un plan mince. Un plan mince, ça peut être par exemple ça, le tableau là. Une fois pour toutes. Et définitivement, un fluide, un plan mince, hein, donc apparaîtra une force perpendiculaire au plan mince. D'accord ? Même si le vent, imaginez que le vent évolue, hein, devienne comme ceci, la force sera toujours perpendiculaire au plan mince. Et si le vent vient comme ceci, la force sera toujours perpendiculaire au plan mince. D'accord ? Est-ce que le Belém a quelque chose de spécial dans sa voilure par rapport au vent ? Les gens qui ont conçu ce navire ont installé sur les mâts des vergues pour augmenter la puissance de voile. Et donc, si le marin, qui est ensuite l'utilisateur de ce navire, peut trouver, faire un choix de route pour une navigation océanique, et donc faire un choix de route pour avoir des vents portants, il disposera d'une puissance potentielle plus grande, voilà, et donc arrivera plus vite et pourra transporter plus de marchandises. Est-ce que le Belém peut aller jusqu'en Polynésie? Est-ce qu'il peut voyager dans ces eaux-là? Un voilier peut aller n'importe où, a fortiori. Donc les grands voiliers pouvaient avoir toutes les destinations qu'on peut imaginer, puisque le commerce les amenait partout dans le monde. Donc par contre, la route peut être quasiment opposée au départ, hein, voire des voiliers qui sont passés par l'autre côté de la Terre, hein, que le sens qu'on imagine direct. Mais les marins, avant de choisir leur route, auraient examiné les conditions de vent et auraient fait un choix pour avoir des vents dominants portants. Là, le vent, il vient du sud-ouest à peu près, quoi. Et du sud, il vient de là. Mais bon, il joue, hein. Il n'est pas vraiment dans un secteur bien particulier. Il joue de 30 degrés pratiquement. Pour ça, il faut être vigilant. Ouais, on a plusieurs voiles qui peuvent nous faire des indications. La grand voile, par exemple, quand elle commence à déventer, bon, on sait que là, on doit mettre de la barre pour abattre, pour reprendre. Autrement, suivant comment on est brassé, mais là, tel qu'on est brassé, là, c'est la grand voile qu'il faut voir. Mais des fois, on ferme un peu plus les phares du haut, les vergues d'en haut, si vous voulez, le cacatois et perroquet,
Et ça nous permet de les voir juste à la bordure, quand ça façaille légèrement. C'est là qu'on sait qu'on doit remettre de la barre pour abattre, quoi, qu'on est arrivé trop près du vent. Quoi. Comme on ne peut pas remonter beaucoup avec un bateau comme ça. Sinon, si on dévente trop, on risque de mettre à compte et là on fait chapelle. Bon, quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est pas bien grave. C'est juste engueuler. Mais quand il y a du vent, ça peut faire tomber les mains. Michel, mais le vent, il existe depuis toujours. Ah ça oui. Les premiers hommes ont dû s'en servir pour naviguer. Alors les premiers hommes, oui, mais les premiers hommes ne se sont pas servis du vent. Ils sont d'abord servis de leurs pattes. Ils se sont répandus sur la planète en marchant. Alors à raison de 50 km par jour, toute la distance qu'ils peuvent accomplir. Mais c'est vrai que plusieurs siècles avant Jésus-Christ, des navigateurs, on dit des mystérieux navigateurs venus d'Asie, sont arrivés jusqu'en Polynésie. Alors ça fait quand même du chemin. Alors ils sont venus là comment? Alors on pense qu'ils ont réussi à fabriquer d'énormes pirogues qu'ils ont creusées dans des troncs d'arbres gigantesques. Ils ont réuni ces troncs d'arbres, ils ont donc fabriqué les premiers catamarans. Et là-dessus, ils ont planté une voile. Et on pense effectivement qu'ils ont pu atteindre la Polynésie à la voile. Il y avait peut-être sur le bateau une centaine de personnes. Hein. Ils se déplaçaient avec toute la famille, avec du bétail, avec des vivres, hein, parce qu'ils partaient pendant très très longtemps. En tout cas, ils ne savaient pas où ils allaient vraiment. Hein. Alors on a la preuve de la présence de ces hommes il y a fort longtemps, en Polynésie, notamment à Tahiti. Alors cette preuve, elle existe sous les arbres aujourd'hui, parce que la végétation, évidemment, a recouvert à la fois des objets qui sont des objets sacrés, à la fois des temples qu'on appelle des marae, à la fois des terrasses qui servaient à ces populations à s'installer. Mais bref, quand on est à Tahiti, eh bien, dès qu'on entre dans le paysage, dès qu'on passe sous la végétation, dès qu'on emprunte les petits sentiers, eh bien, on trouve de ces vestiges. Et il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a des centaines sur l'île. Donc, non seulement cette population est venue il y a très longtemps, hein, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'est évident, mais en même temps, c'est une population nombreuse. On peut vraiment parler de population. Il est évident que le vent a permis à cette population d'atteindre des distances pareilles, en tout cas de traverser l'océan Pacifique. Hein, ce sont les premiers navigateurs transocéaniques. Hein. Alors, quand on est à Tahiti, il y a encore une autre trace du vent, une plante qu'on appelle le Miconia. Et cette plante est originaire du bassin amazonien. Elle a été introduite à Tahiti en 1937, je crois, par un spécialiste des plantes, par un horticulteur, qui espérait, plantant ces plantes à Tahiti, les récolter, les transporter ensuite en France, toujours en utilisant les bateaux à voile, et les vendre après dans des boutiques à Paris et ailleurs. Comme en manque de peau, cette plante qu'on appelle le Miconia produit d'énormes quantités de graines. Or, à Tahiti, de temps en temps, le vent se fout en colère, il y a des cyclones qui se forment. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait le cyclone? Il transporte ses graines, il sème ses graines partout dans l'île. Or, deuxième problème, ce Miconia n'a pas de prédateurs dans l'île. Il n'a pas de plantes ou d'animaux qui lui font concurrence. Ce qui fait qu'il se répand tranquillement, comme ça, sans vergogne. Et aujourd'hui, ce Miconia est devenu une véritable peste végétale. C'est pourtant une plante qui est très très belle. Hein. Le dessous de la feuille est violacé, le dessus est vert. C'est une très 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 jolie plante. Mais aujourd'hui, elle fait de l'ombre à toutes les autres et elle empêche les plantes qui sont endémiques, qui sont propres à l'île de Tahiti, eh bien de vivre en toute sérénité, en toute tranquillité. Il arrivera qu'un jour, cette plante envahira non seulement Tahiti complètement, mais aussi toutes les îles voisines, comme par exemple Moréa. Et on appelle ça une peste végétale. Et le vent, il sème le pollen, il sème aussi les graines, et quelquefois seulement les graines, il crée des catastrophes. Tu crois que c'est le vent qui fait les vagues? Ouais, moi je pense que ça doit être le vent. En fait, je sais pas, je pense pas. Je sais pas, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. La lune, par exemple, qui joue sur les marées. Dis-moi,
Michel, c'est quoi les points blancs qui passent sur l'eau? Les petits points blancs, là, sont des graines de pissenlit. Alors, c'est probablement le vent qui les a poussés jusqu'ici. Hein. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Le vent l'a pris, cette graine, quelque part sur la terre et l'a amenée là. Manque de peau pour elle, elles ne tiennent pas dans l'eau salée. Le sel les tue. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les graines. Par exemple, les graines de cocotier, la noix de coco, résistent bien dans l'eau de mer. Elle peut passer 6 mois dans l'eau de mer. Ce qui fait qu'elle peut se déplacer comme ça au gré des courants, mais aussi du vent, parce que c'est le vent qui la pousse vers des rivages lointains. Et si ça leur convient, elles germent et ça fait un cocotier. Alors il y a des endroits comme ça sur la planète, notamment dans l'océan Indien, une île perdue qu'on appelle l'île de la Réunion. Et cette île eh bien, est toute neuve quasiment puisque c'est une île volcanique. Donc un jour elle est sortie de la surface de l'eau. Et eh bien aujourd'hui quand on s'y promène, il y a de la végétation et beaucoup de végétation. Il y a une très grande diversité végétale. Et eh bien cette diversité végétale est due au vent. C'est lui le semeur planétaire, c'est lui qui a amené là des plantes et surtout des graines qui sont installées et qui se sont multipliées. Alors il y a un endroit que moi j'aime beaucoup dans la forêt de la Réunion, c'est la forêt de Bébourg. C'est un endroit un peu magique, il y a encore des fougères arborescentes à cet endroit-là. Et puis il y a des arbres qu'on appelle des tamarins. Et ces arbres-là sont un peu élastiques. C'est-à-dire que quand des cyclones soufflent évidemment dans cette région, puisque l'île de la Réunion est justement sur le chemin des cyclones, ces arbres sont pliés, ils ne sont pas cassés. Et comme ils se redressent systématiquement, eh bien ils sont pliés plusieurs fois, ce qui fait que sur le sol, en fait, on ne marche pas sur la roche ou sur l'humus, on marche sur des arbres pliés, repliés et archipliés, ce qui fait que le sol est mou, il est souple, comme un véritable trampoline. Ça, c'est une des particularités de cet endroit. Donc pour les plantes, c'est comme ça, et pour les animaux, ça se passe pareil? Ben, presque pareil, pour certains animaux en tout cas. Il y a des petites araignées qu'on appelle des veuves noires. Elles sont petites mais très dangereuses. Ce sont des araignées dont les femelles possèdent sous l'abdomen un petit nœud papillon rouge. Elles sont riquiquies, mais les mâles sont encore beaucoup plus petits. D'accord ? Eh bien, ces animaux-là sont très dangereux par leur venin. Cette veuve noire, elle vit en Amérique. Il y en a beaucoup au Mexique, entre autres. C'est là que je l'ai rencontrée le plus souvent. Quand elle s'installe sur un cactus, elle peut se mettre à défiler de la soie sur des mètres et des mètres et des mètres. Arrive un courant d'air. La soie est emportée par le courant d'air. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cramponne au bout de sa soie. Elle suit sa soie, ça devient un cerf-volant. Et elle peut comme ça voyager sur des milliers de kilomètres. Si elle monte trop haut, elle gèle. Si elle tombe dans l'eau, elle se noie. Si elle tombe dans un endroit qui ne lui convient pas, elle ne se reproduit pas. Par contre, si elle tombe dans un endroit qui lui convient, et si elles sont plusieurs, elles se reproduisent. Donc on peut dire que le vent sème aussi les araignées, en tout cas certaines. Mais le vent sème aussi des animaux beaucoup plus gros. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a ce qu'on appelle des iguanes, ce sont des lézards arboricoles. Ils vivent donc dans les arbres, ce sont de gros lézards. Et certains de ces lézards occupent des arbres sur les rivages. Imagine une tempête, l'arbre bascule dans l'eau. Les iguanes se cramponnent à leur tour aux branches de l'arbre. Mais l'arbre est déraciné, il y a un torrent d'eau qu'il pousse dans la mer, et vas-y, l'arbre se met à naviguer. Les branches servent de voile, et c'est le vent qui va pousser l'arbre vers des îles lointaines. Et par exemple, les iguanes qu'on trouve aujourd'hui sur l'île de la Guadeloupe, eh bien, sont arrivés par la mer, poussés par le vent. Ils sont arrivés suffisamment nombreux, ils ont constitué une sorte de colonie, ils se sont reproduits. Et aujourd'hui, pour le plaisir des yeux, on peut observer sur l'île de la Guadeloupe des iguanes qui viennent d'Amérique du Sud. J'ai entendu dire que le vent fabriquait les déserts. Le vent participe à la fabrication des déserts, c'est vrai. Mais les déserts existent parce qu'il y a plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est qu'à cet endroit-là, souvent, il y a une montagne. Cette montagne va arrêter les masses nuageuses. Alors, c'est des lieux, les déserts, au-dessus desquels il y a souvent de très hautes pressions atmosphériques. Et là, effectivement, le vent balaye ces endroits-là quasiment quotidiennement. Mais en réalité, ce n'est pas tellement le vent qui est dangereux pour la nature. C'est aussi l'absence d'eau. Par exemple, au Sahara, dans certains endroits, il pleut moins de 200 mm d'eau par an. Alors, avec 200 mm d'eau par an, la végétation serait capable de s'en sortir. Parce qu'il y a des plantes spécialisées qui peuvent le faire. Elles peuvent se priver d'eau pendant longtemps. Elles font des stocks d'eau. Mais le problème, c'est qu'il y a du vent. Et alors, ce vent, il est terrible parce qu'il dessèche tout sur son passage. Alors, moins de 200 mm d'eau, plus du vent en permanence, et là, ça crée vraiment de l'hyper-aridité. Et les fameux endroits dont je viens de vous parler, eh bien, on les a testés. C'est-à-dire qu'on a alimenté ces endroits-là en eau, en permanence, pendant toute une année. On en a injecté l'équivalent de 4 mètres. Eh bien, ces 4 mètres
ont disparu sous l'effet de la chaleur et du vent. Donc c'est pas tant la puissance du vent, mais surtout l'écart qu'il peut y avoir entre les précipitations et la capacité qu'a l'endroit à évaporer son eau. D'accord ? Alors, ça, on le retrouve à peu près partout sur la planète. Et pourtant, la machine atmosphérique que représente la chaleur et le vent, eh bien, pompe d'énormes quantités d'eau. Et au-dessus de l'océan, tous les ans, il y a 4500 km3 d'eau qui sont pompés. Sur les continents, il y en a seulement 70 000 km3. Alors, c'est l'eau des rivières, c'est l'eau des lacs, des torrents, à la limite, des forêts qui est pompée. Alors, vous vous rendez compte de ces masses d'eau. Alors, quand on regarde ça de façon plus fine, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, toute l'eau contenue dans l'atmosphère se renouvelle en 12 jours. Alors, en gros, on pense qu'il n'y a seulement, sur notre tête, que 13 000 km3 d'eau, ce qui est déjà pas mal. Finalement, Michel, est-ce que c'est le vent qui crée les vagues ? Oui, c'est le vent qui crée les vagues. En ce moment, c'est lui qui produit ce clapotis. Même les vagues de houle, hein, ces grandes vagues rondes, eh bien, sont créées par le vent. Ce sont des résidus de tempête. En ce moment, le vent souffle probablement à force 4, force 5 sur l'échelle de Beaufort, ce qui correspond à un vent qui souffle entre 30 et 38 km à l'heure. Alors, sur le continent, en ce moment, les buissons sont un peu secoués par le vent, mais ce n'est pas un vent violent. Hein. À force zéro, qu'est-ce qui se passe ? On reste sur place, on n'avance plus. Oui, on est scotché carrément, et la fumée des maisons s'élève tout droit dans le ciel. Par contre, à force 10, on est déjà dans la tempête. Et là, le vent peut souffler jusqu'à 101 km à l'heure. Alors ça souffle fort, même trop fort, à tel point qu'il y a des arbres qui tombent. Mais pour le naturaliste, la tempête, ça ne veut pas dire systématiquement ça en tout cas. Ça veut dire que, quelque part, la nature se régénère. Quand il y a un grand coup de vent, par exemple, eh bien ça fait des brèches dans la forêt. Eh bien, ces brèches vont permettre un apport de lumière et il y a des plantes qui vont apparaître à cet endroit-là et la forêt va se renouveler à cet endroit-là. Alors, c'est pas beau, ça défigure la forêt. C'est vrai que c'est agaçant parce qu'économiquement, certaines personnes font des pertes, mais sur le plan de la nature, ce n'est pas grave du tout. On a même remarqué que les arbres qui poussent sur le littoral, qui sont souvent, eux, bousculés par le vent, se sont adaptés, ils se sont musclés et cela résiste mieux que ceux qui sont à l'intérieur. Alors, bien sûr, le vent et la tempête jouent aussi un autre rôle très grave sur le littoral, par contre, parce que quand le vent soulève des vagues très puissantes, ces vagues viennent quelquefois buter sur le cordon littoral, et notamment en Camargue. Et ça, c'est embêtant parce que c'est un endroit qui est intéressant sur le plan des écosystèmes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces vents violents, ces vents de tempête, sont très souvent accompagnés de pluies, des pluies violentes, des pluies très denses qui créent des inondations. Alors ça aussi, c'est très embêtant, parce que ça entraîne le sol vers les rivières et vers la mer, ça enlève du terrain, ça érode et ça peut même faire des glissements de terrain. Allez, on y va, on va se coucher. Ah, mais voilà, ça fait plaisir. Il y a une risée qui nous revient. Oui, bah oui, on arrive, c'est bon là, on arrive à faire route maintenant, là, et puis sur lieu. Attends. On est au vent arrière, j'ai fait brasser un petit peu, et puis. On fait route au 110, là, maintenant. Comment est-ce qu'on établit la route en fonction de cette météo changeante ? Depuis le départ, nous avons suivi la situation météo et les prévisions météo. Et l'on s'est placé, donc on est pour l'instant à une trentaine de milles dans l'ouest, exactement dans l'ouest de l'île-Dieu. Et normalement, les vents d'ouest qui étaient annoncés depuis hier sont en train tout doucement de naître, là. Donc, a priori, on a le temps pour être à l'heure demain après-midi et j'espère mouiller sous voile à l'île-Dieu. On sent d'ailleurs ce vent qui nous caresse les joues, là, c'est bon signe. Ça, on sent les cheveux, ce qui est donc... Exactement, on se prend des radars aussi. Hein. Oui, c'est une perception, oui. Ouais. On est prêts ? Allez, c'est parti ! Ouais. Ouais. Allez ! Oh. Et on est trop là, Ah, où est ta copine ? Elle se sentait pas très bien, elle allait se reposer. Ah bon ? Elle a le mal de mer ? Oui, je pense. Bah, c'est dû au fait que le bateau bouge, et il bouge un peu plus quand il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent, il est mieux tenu, il est plus confortable. Alors imagine-toi un petit peu que ce vent-là, qui est absent quasiment à la surface de l'océan, on pourrait le retrouver un peu plus haut, en fait. On n'a pas ce pouvoir-là, mais si on prenait le bélème et si on l'élevait comme ça dans le ciel, eh bien on lui ferait gonfler ses voiles.
Parce qu'au-dessus de notre tête, il y a des vents qui se croisent, qui partent dans des directions opposées. Et ça, les aéronautes le savent bien, et les pilotes d'avion aussi le savent bien, parce que même dans l'atmosphère tout à fait en haut, là-haut, vers 10 km d'altitude, eh bien, on peut avoir des vents, et on les appelle des courants jets. Alors ces vents qui circulent tout à fait là-haut, hein, on ne les devine pas, mais enfin, bon, ils sont là, eh bien, sont utilisés par les avions de ligne. Par exemple, il est plus court en durée de faire New York-Paris que de faire Paris-New York. On gagne une heure à condition de se mettre dans le courant jet. Il peut faire des pointes de 300 km à l'heure. D'accord. Alors ça, c'est très bien parce que quand on est aéronaute et qu'on veut se balader dans le ciel comme ça, et si on a cette connaissance-là qu'on n'apprend pas vraiment dans les bouquins, il faut vraiment au contraire être très sensible au vent, le ressentir, c'est de comprendre ce qui se passe, eh bien on peut carrément, en montgolfière, changer de direction. On s'élève, on part dans une certaine direction, puis imagine-toi qu'on arrive au-dessus d'une zone qui soit interdite de survol. Et comment on fait dans ce cas-là? Ou on se pose en catastrophe, ou on change de direction. Et bien pour trouver une autre direction, on s'élève ou on descend. Et là, on a forte chance de trouver un vent qui va nous écarter de cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est ça, Michel? C'est un anémomètre. Ça sert à mesurer la vitesse du vent. Ça vous fait penser à quoi? Un moulin à vent. Oui, c'est un moulin à vent. Vous savez que les moulins à vent sont comme les navires, ils sont tout le voile dehors quand le vent souffle, mais eux, ils sont fixés au port. Ils sont enracinés, ils n'arrivent pas à partir. Du coup, l'énergie du vent fait tourner les ailes du moulin. Alors, autrefois, il y avait beaucoup de moulins, notamment dans le nord de la France, hein, là où il n'y avait pas de torrent pour faire actionner des roues à aubes ou des roues à godets, eh bien, il y avait des moulins à vent. Et dans les monts de Flandre, dans la ville de Cassel, il y en avait jusqu'à 20 encore au siècle dernier. Et malheureusement, il y a eu un très gros coup de vent en 1940. Il y a eu un ouragan. Et cet ouragan a complètement décapité les moulins. Alors ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que les moulins à vent, comme les voiliers, doivent être toujours sous la surveillance des hommes. Et quand les hommes les abandonnent, ben, ils sont en perdition. Alors, il y en a encore un aujourd'hui, moulin, à Cassel. Tout simplement parce qu'il a été restauré et pris en main par un meunier et une meunière, hein, Alain Desmiter, qui est un passionné de voile aussi, lui, à sa manière, d'accord? Mais il entretient donc ce moulin avec lequel il continue, comme c'est les anciens, comme les gens qui l'ont précédé, à faire de la farine avec des, évidemment des grains, du blé notamment, mais aussi à faire de l'huile. Hein, il y a des pilons aussi dans ce moulin pour écraser, comme par exemple du lin ou écraser du colza. Les moulins, avant, ont plein de similitudes avec les voiliers. Ces grands voiliers comme le Belém, qui étaient des voiliers de commerce, vivaient parce qu'ils pouvaient transporter sur de longues distances des produits. Eh bien, la vapeur est arrivée et la vapeur a concurrencé la voile. C'est une autre forme d'énergie qui a concurrencé la voile, aussi bien pour ces grands voiliers que pour les moulins à vent. Alors, ils sont rares aujourd'hui ces moulins à vent, ils existent, c'est l'occasion de belles balades à travers la France ou à travers le monde. Et par exemple à Cassel, ben, il y a un moulin. Si vous avez l'occasion de passer par là, je vous invite à le visiter. Ça y est, on est arrivé? Oui, c'est la fin d'une belle aventure entre océan et ciel, c'est là que se glisse le vent. C'est lui qui nous a portés jusqu'à l'île-Dieu. En fait, il s'agit d'un petit confetti de 23 km² seulement au milieu de l'Atlantique. Il est impossible d'ignorer le vent. Il est présent partout et quand il n'est pas là, il fait parfois cruellement défaut. Il dessine le ciel, il nous livre à domicile une énergie propre et renouvelable, il sème la vie. Il nous inquiète quand il se met en colère. Il est aussi important pour les grands écosystèmes planétaires que l'eau, la lumière et la chaleur. C'est ce que nous avons découvert dans cette belle aventure sur le Belém.